Nous sommes là pour vous faire le réjouir. C'est terminé, le Maroc a concédé le match nul face à la République du Congo. C'est terminé, le Maroc a concédé le match nul face à la République du Congo. La place avait tout temps rapidement fait le score grâce à la tournée de la 6ème minute avant le rejet dans le dernier quart d'heure après un but de l'entrée. Silence, c'est la 6ème minute. La banque n'assure donc pas encore sa qualification pour le 8ème de finale et les Congos gardent espoir, chers amis. Alors, quelques minutes, je vais faire un résumé de la minute, les grandes actions, chers amis. Restez fidèles à notre chaîne et je vous prie déjà de partager, de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour que prochainement vous ne puissiez pas rater les bonnes choses qui sont ici à suivre Réveil Congo. Les coups d'envoi de ce match-là et de l'échelle. Entre les acteurs sur la tribune, les acteurs accompagnés du corps arbitral ont fait leur apparition sur la pelouse du stade Laurent Pompidou. Nous sommes toujours à Saint-Pédro. Au niveau de l'encadrement médical, mais aussi pour Sébastien de Sabre. Déjà la deuxième minute de miracle de Bassi devant Anthony Calari et Lionel Bassi, les gardiens des Rodez. Regardez, ils appellent Dylan Batumisica, le joueur de Saint-Étienne. Salut pour sortir cette tête puissante de Youssouf. Et ça part très fort pour le Maroc qui obtient déjà un corner. On voit bien que l'échauffement sous nos yeux de Dylan Batumisica s'est accéléré. On a bien compris que ce qu'on fait allait pour surtout charmé. Pendant quelques instants, la première est proche Azedine
réalise un petit festival à la Souffrance congolaise qui termine la partie talonnade, bien inspiré pour Soufiane. Il y a le bras quand même qui est lancé mais derrière. Ces derniers perdent le ballon. On va attendre la décision. Nous ne sommes pas arbitres. On va attendre minute, la décision. De la nervosité sur la pelouse. Les Marocains n'ont pas tenu face à cette chaleureuse chaleur accrante. Ils n'ont pas tenu alors que les Congolais sont habitués à travailler sous la chaleur. Ça, il peut. Après avoir rendu l'action, la faiblesse et le carton jaune qui suit pour Amala et le pénalty, la double sanction. Il ne puisse pas être aujourd'hui à la hauteur parce que les Congolais eux-mêmes aussi sont surpris de la manière à laquelle les Marocains chauffent sur la pelouse. L'arbitre est contraint de séparer tout le monde. Charmé, la 26e minute, pause fraîcheur. L'arbitre interrompt la rencontre quelques instants pour la fameuse pause fraîcheur. Il fait très chaud à San Pedro, prendre des degrés Celsius. Le thermomètre. Sven Lévy, 29 minutes sur un contre Johan Wissa, cherche à lancer ses titres à Kamou dans la profondeur, mais remet ça. Il s'est mis parfaitement le jeu et ne se jette pas. Le Maroc écarte les dangers à 31 minutes du souffle grâce à une longue transversale trouvée à la limite du hors-jeu par-dessus la défense congolaise. L'attaquant marocain ne contrôle toutefois pas suffisamment bien son ballon pour que c'est l'éliminer face à Lionel. Même une passe charmée du brevet Congo, la troisième minute où l'occasion congolaise de Aïdes n'est pas passé loin d'égaliser sur un coup franc de Gaëlle Kakuta dévié du pied par un joueur marocain. Les ballons flic avec une photo droit de Yacine. C'était chaud. Avec le goût, 38e minute, encore une longue interruption après les problèmes du micro de l'arbitre Enoch Inonga. Il est au sol de la surface à sanglater et prise en charge par le staff médical et le défenseur congolais. Ça fait poser un bandeau autour de la tête. Il espère pouvoir continuer à jouer. Le jeu est arrêté depuis 5 minutes. 38e minute après que l'arbitre puisse aller vérifier la main. Cher ami, 38e minute, les Congolais obtiennent un penalty pour la RDC. Après avoir été appelé par ses assistants, messieurs, Waouirou va. C'est dommage parce qu'il avait bien commencé son match. On l'a bien senti, malheureusement, sur ce penalty. Là, il se loupe. On revoit le poteau. On revoit Roger, ouais. Le pied droit et le poteau. Et c'est même l'extérieur de son petit regardé. Là, c'est terminé. RDC qui a rencontré aujourd'hui le Maroc, cher ami. C'est terminé. Le Maroc concède le match nul face à la République démocratique du Congo. C'est terminé. Le Maroc concède le match nul face à la République démocratique du Congo. Un but partout. Le dégagement de la place avait pourtant rapidement fait le score grâce à Adil à la 6e minute. Pensait intervenir, celui de Batou Binsika n'est pas intervenu. Et notre Nogabaka va certainement terminer la première période, sachant qu'il y aura du temps additionnel. Hein. On se souvient des problèmes techniques de l'arbitre au tout début de la rencontre. Allez, Moutoussami qui a gagné le ballon pour Kakuta, ça bat à une minute terrain. C'est Selim Amala. Selim Amala avec Nasseri. Allons de nouveau. Bonsoir, cher ami de Réveil Congo. Kakuta, regardez-le comme il résiste bien. Au milieu de quatre joueurs, on va essayer de donner à Borona. Ça bataille. Selim Amala. TV, mais aussi sur notre site média en ligne réveil-congo.net. Nous sommes là pour vous faire le résumé, comme jamais l'habitude, cher ami, de notre match. RDC qui a rencontré aujourd'hui le Maroc, cher ami. C'est terminé. Le Maroc concède le match nul face à la République du Congo. C'est terminé. Le Maroc concède le match nul face à la République du Congo.
un des partenaires de l'Union. L'Atlas avait pourtant rapidement éclairé le score grâce à Hakim à la 6e minute avant d'être rejoint dans le dernier quart d'heure après un but de l'entrant. Silence à la 76e minute. Le Maroc n'a cependant pas encore sa qualification pour le 8e de finale et les Congos gardent espoir. Entre les acteurs sur la pelouse, deux acteurs accompagnés du corps arbitral ont fait leur apparition sur la pelouse du stade Laurent Poucou. Nous sommes toujours à Saint-Pedro. Sur sa ligne, heureusement, ça part très fort. Le Maroc obtient déjà un corner. Quelques instants après, semblait-il, un problème au sein du corps arbitral. L'arbitre de son centre n'entend pas ses collègues dans l'oreillette. Dans l'oreillette, les délégués lui changent sur le bord du temps de Charlie. À 6e minute, un problème résolu. C'est donc reparti sur la pelouse du stade de Laurent Poucou. Le corner marocain va pouvoir être joué. Problème d'oreillette pour l'arbitre. À la 6e minute, toujours Hakim ouvre le score à la grande surprise. Les Léopards de la NBC sont surpris Charlie. Après qu'hier, ils ont fêté. La prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Léopards sont aujourd'hui surpris à la 6e minute sur le corner frappé par Hakim. Et dans la bonne zone, il reprend les ballons, les volets, les latérales parisiens, il vient l'équilibre et trouve les filets malgré les tentatives d'intervention de Johan Rissa et même pas si le Maroc prend les rênes dans cette rencontre à la 6e minute. Bien sûr, Charami, 9e minute, Mohamed Chibi, c'est un revenir près du poteau de corner qui s'éplante du gelé. Le Maroc reste quelques secondes au sol, mais c'est un élève finalement Charami. Comme on l'a remarqué, donc c'est un match qui a connu à la fin beaucoup d'échauffourées. Donc on espère que les joueurs ne se sont pas blessés à la fin du match. Donc déjà en plein match, il y avait vraiment beaucoup de tension Charami. À 11 minutes, Ziyech prend sa chance, passe incapable. Hakim s'est mis sur son pied gauche en répliquant intérieur et en enchaînant avec la frappe du premier poteau. C'est à ras des terres, mais Lionel Passé se couche bien sûr le ballon Charami. À la 2e minute, la RDCC procure une première situation dans la surface de réparation marocaine suite à un corner. Gaël et Capita coupe le premier poteau et dévie vers les secondes où se trouve la chance elle-même. Le défenseur marseillais vient de prendre des volets, mais c'est mal. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Léopards? 20e minute, Azedi réalise un petit festival dans la surface congolaise. Termine par une talonnade bien inspiré pour Soufiane. Mais ces derniers perdent le ballon Charami. À la 24e minute, il y a de la nervosité sur la pelouse comme on lui attend tantôt. Le Maroc n'a pas tenu face à cette chaleureuse chaleur accablante. Il n'a pas tenu alors que les Congolais sont habitués à travailler sous la chaleur. Donc, c'est ça un peu ce qui peut justifier
la faiblesse au niveau de Marocain, c'est qu'on peut dire qu'il a occasionné qu'ils ne puissent pas être aujourd'hui à la hauteur, parce que les Congolais eux-mêmes aussi sont surpris de la manière à laquelle les Marocains jouent. Ça s'échauffe sur la pelouse, et l'arbitre est contraint de séparer tout le monde de Charles à la 26e minute. Pause fraîcheur, l'arbitre interrompt la rencontre quelques instants. Mais une pause fraîcheur, je suis très chaud à saluer de grimper. Dégurer ce thermomètre. Venez minute sur un contre. Johan, lui, ça cherche à lancer ses titres. Makambu dans la profondeur, mais remet ça. Il s'est lié parfaitement le jeu et ne se jette pas. Le Marocain écarte le danger. 31e minute, du souffle grâce à une longue transversale et trouvée à la limite du hors-jeu par-dessus la défense congolaise. L'attaquant marocain ne contrôle toutefois pas suffisamment bien son ballon pour s'éliminer face à Lyon. Elle est passée charmée du réveil Congo. 33e minute, l'occasion congolaise, elle n'est pas passée loin d'égaliser. Sur un coup franc de Gaël Kakuta, dévié du pied par un joueur marocain, les ballons flirtent avec le poteau droit de Yacine. C'était chaud. Charmée du réveil Congo. 38e minute, encore une longue interruption après les problèmes du micro. L'arbitre est donc inondé au sol de la surface ensanglantée et prise en charge par le staff médical. Le défenseur congolais s'est fait poser un bandeau autour de la tête et espère pouvoir continuer à jouer. Le jeu est arrêté depuis 5 minutes. 38e minute après que l'arbitre puisse aller vérifier la vie. Cher ami, 38e minute, les Congolais obtiennent un penalty pour la RDC. Après avoir été appelé par ses assistants, monsieur Waouhou va. Ouais, là, dans ce dernier, on est à 40 secondes du coup de sifflet final. Aminarit dans la surface. Réclame un penalty côté marocain. Oh, ce serait cruel, ça. Ce serait cruel un penalty des C'est terminé. Continue Aminarit. Un relais pour Bilal Renous et son pied droit, il est contré. Bonsoir, cher ami du réveil Congo. Il est fort, c'est terminé, le Maroc concède le match nul face à la République démocratique du Congo. Un but partout. Le Lion de l'Atlas avait pourtant rapidement ouvert les scores grâce à Hakim à la 6e minute avant d'être rejoint dans le dernier quart d'heure après un but de l'entrant. Silence à la 76e minute, le Maroc n'assure donc pas encore sa qualification pour le 8e de finale et les Congos gardent espoir. Pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions faire un temps additionnel déjà depuis pratiquement une minute. Les Marocains rachètent un mot en tête, l'un des adjoints de Walid Regragui est venu parler au quatrième arbitre. Restez fidèles à notre chaîne et je vous prie déjà de partager, de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ahmed Benalal, le Mauricien. Ratez les bonnes choses qui sont ici. À suivre le réveil Congo. Les coups d'envoi de ce match a été donné charmé à 14h55. L'entrée des acteurs sur la pelouse, les deux acteurs accompagnés du corps arbitral ont fait leur apparition sur la pelouse du stade Laurent Poucou. Nous sommes toujours à Saint-Pédro. Charmé du réveil Congo et déjà la deuxième minute, le miracle de Mbassi devant. En série, carré de Lionel Bassi, les gardiens de Rodez s'envolent vraiment sur sa ligne. Heureusement, sur sa ligne, sur cette tête puissante de l'équipe, ça part très fort pour le Maroc qui obtient déjà un corner. Le jeu était rompu quelques instants après. Semble-t-il un problème au sein du corps arbitral, l'arbitre de son on n'attend pas ce collègue. Dans l'oreillette,
Les délégués lui changent sur le bord du terrain. Charny, à 6e minute, problème résolu. C'est donc réparti sur la pelouse du stade de Rampoukou. Le corner marocain va pouvoir être joué. Problème de Rete pour la République. À 6e minute, toujours. Akim ouvre le score à grande surprise. Les Léopards de RDC sont surpris. Charny, après qu'hier, ils aient fêté la prestation de Samuel. Donc, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Léopards sont aujourd'hui surpris à la 6e minute sur le corner frappé par Hakim. Et dans la bonne zone, il reprend le ballon, le volet, les latérales parisiens, et bien équilibré, il trouve les filets malgré les tentatives d'intervention de Johan Moussa et le même passé. Les Maroc prend les rênes dans cette rencontre à la 6e minute, bien sûr. Chalamé, 9e minute, Mohamed Chibi, c'est hors de l'ouverture du poteau de corner qui s'éclate du genou. Les Marocains restent quelques secondes au sol, mais se relèvent finalement. Chalamé, comme vous l'avez remarqué, donc c'est un match qui a connu à la fin beaucoup de chevaux. Donc on espère que les joueurs ne se sont pas blessés à la fin du match. Déjà en plein match, il y a des tensions. Charbon, aux 1 minute, Ziyech prend sa chance, passe et incapable. Hakim, c'est lui sur son pied gauche, en rétro intérieur et en enchaînant avec la frappe du premier poteau. C'est à ras de terre, mais le même passé se couche bien sûr le ballon Charny. À la deuxième minute, on décide de procurer une première situation de la surface de l'opération marocaine. Ensuite, à la corner, Karim Kakuta coupe au premier poteau et dévie vers le second où se trouve Chancel Mbemba. Le défenseur marseillais veut reprendre le volet, mais c'est mal. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Léopards? 20e minute, Azedine réalise un petit festival. La surface congolaise est terminée par une talonnade bien inspirée pour Sofiane. Mais ces derniers perdent le ballon Charny. Ensuite, à la 24e minute, il y a de la nervosité sur la pelouse, comme je l'ai dit tantôt. Les Marocains n'ont pas tenu face à cette chaleureuse chaleur accablante. Ils n'ont pas tenu alors que les Congolais sont habitués à travailler sous la chaleur. Donc, c'est ça. Ce qui peut justifier la faiblesse au niveau des Marocains. Le Maroc en tête à l'issue de cette deuxième journée. Qui a occasionné qu'ils ne puissent pas être aujourd'hui à l'auteur parce que les Congolais et même les Français. C'est vrai qu'on les a vus sprinter dans le tunnel, c'est pas très rassurant. Les prochains matchs, la Côte d'Ivoire qui est contraint de séparer tout le monde. Et le Niger dans la 26e minute. La Guinée-Bissau dans le fraîcheur, l'arbitre. Le Cap Vert déjà qualifié. La rencontre quelques instants. Ça se pousse assez demain. Pause fraîcheur. Il y aura un dernier match avec pression en salle de feu du meilleur. C'est pour Silas. Après avoir été appelé par ses assistants, monsieur Mario Mouva,